Bonjour tout le monde. Je vais prendre quelques instants de votre précieux temps pour m'adresser à vous. Comme l'ensemble des citoyens de Sainte-Brigitte, je suis en confinement à la maison. Mon rôle de maire se poursuit. Je fais du télétravail en collaboration avec l'ensemble des autres directeurs de la ville pour continuer dans la gestion de la ville. Vous savez, on est à maintenir les services essentiels. Comme je vous l'ai dit à quelques reprises, ça se passe bien à Sainte-Brigitte. Les services essentiels sont maintenus. On a une très bonne collaboration de l'ensemble des employés. L'objectif cet après-midi de m'adresser à vous, c'est beaucoup plus pour, un, vous dire comment je suis fier de la population de Sainte-Brigitte qui respecte les règles qui sont données par notre premier ministre. Ça, je voudrais vous en féliciter. On a un nouveau défi qui s'adresse à nous en fin de semaine, c'est le long congé de Pâques. Je pense qu'on a travaillé fort depuis les dernières semaines. Donc, je vous encourage fortement à continuer ces efforts-là, à continuer le confinement. Je crois que ces dernières conférences de presse, le premier ministre nous le dit, on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel dans cette crise-là. Fait que c'est important qu'on lâche pas. Je vous encourage, chacun de vous, à poursuivre les efforts, puis n'hésitez pas, si vous êtes dans le besoin, à faire appel aux services d'aide qui ont été mis en place depuis le début de cette crise-là. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je veux vous dire, passez malgré tout une très belle fin de semaine de Pâques et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à faire appel aux services d'aide. Bonne fin de journée à vous et merci.